Je filme le métier de vendeur animalier. Je filme le métier de vendeur animalier. Voici deux vendeurs animaliers qui partent au travail. J'ai la flemme, sérieux. Encore une journée à nettoyer, balayer. Ah, encore une bonne journée que je vais passer à l'animalerie. Moi, perso, j'adore mon taf. Première chose à faire, nourrir les animaux. On a faim, on a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Oh, mon petit bout de chou, tiens. On doit nettoyer les cages aussi. Et oublie pas les aquariums. Ensuite, on doit changer les litières. Un jour les rongeurs, et l'autre jour c'est les oiseaux. Allez, tiens, va nettoyer les poules. Moi, ce que je déteste, c'est les poules. La fiente de poule, ça pue, ça colle, c'est gluant, ça me dégoûte. Après, on tombe sur les premiers clients. C'est le matin, ils sont pas très réveillés. Ouais. Notre mission est aussi d'informer les gens sur les maladies que peuvent avoir les animaux. Il faut faire attention, parce qu'avec les chiens, il y a beaucoup de maladies. Ah bon? Je te jure. Oh purée. Vie de ma mère. Mais non. C'est sérieux, ils peuvent mourir. Vraiment? Regarde. Ah ouais, quand même. De fou. S'il y a un truc qui motive, c'est les yeux émerveillés des enfants quand ils voient les animaux. Bon, tu veux lequel pour Noël? Le plus dur dans ce métier, c'est... Oh, t'en fais un petit filou, va. Oui, c'est vraiment celui-là que je veux. C'est de pas s'attacher aux animaux. Je vous le mets dans la boîte et je vous le ramène en caisse. C'est déchirant pour le cœur. 14h, l'heure de la livraison. Piloute, décharge carrette, j'ai pas le temps. C'est pas compliqué, mais c'est technique. Tu tires trois fois, comme ça. 45 degrés, et tu tires. La mise en rayon, faut que ce soit carré. Mais le challenge, faut aller le plus vite possible. Je fais toujours la même chose, mais au moins, le temps il passe vite. Le ménage, c'est un peu chiant. Hein. Ouais, c'est un peu chiant, mais après, faut le faire pour la bonne image du magasin, et après, c'est pour les clients qu'on fait. Ouais, pour les animaux aussi. C'est vrai. Et le reste de la journée, on voit toutes sortes de clients. Je sais que j'ai bien fait mon taf quand la famille est contente et que l'animal sera heureux. Il y a des clients, franchement, pour rester poli, hein, ils sont pas sympas. Des fois, j'ai envie de les frapper, mais s'ils veulent quelque chose ou un animal, je suis obligé de le vendre. Ça suffit un bocal, c'est pour le poisson rouge. Tu fais quoi, là? Bah, à ton avis, je le nourris. Comment tu me parles, là? C'est inadmissible. Mon lapin est mort, vous m'avez dit de lui prendre un bain, et il est mort 2 heures après. Je vous ai juste dit de le mouiller, pas de lui faire prendre un bain. Bref, le métier de vendeur en animalerie, c'est métro, boulot, dodo. Ouais, mais pas que. Et voilà, une journée de fini. Demain, rebelote. Demain, je retourne voir mes petits chouchous et j'espère tous leur trouver une bonne famille où ils seront bien. Peut-être que demain, mon métier sera remplacé juste par des commandes en ligne. Des robots qui me remplaceraient. Maman, on mange quoi? Du lapin. Hé, les gars, y'a plus personne! Trop bien! Je me sens mieux que tu sois pas là! Bon, allez, on joue à Angry Birds! Le dernier arrivé, c'est celui qu'on lance! Non, pas trop!